En s'installant à mi-hauteur sur la colline du centre de Bruxelles, la jonction Nord-Midi a exigé des tranchées importantes en contrebas de quartiers en pleine activité. Les travaux sont achevés, cela s'est passé normalement, et aujourd'hui, de nouvelles possibilités sont créées, même en surface, pour tous. Insistons spécialement sur la naissance de la halte centrale pour laquelle il fallait poser un bâtiment de forme triangulaire au-dessus de quais souterrains en courbe. Architectes et ingénieurs ont dû imaginer un plan, des formes d'une extrême ingéniosité pour relier à des niveaux différents les fonctions qu'entraîne le service des voyageurs dans une gare moderne où règne l'atmosphère de sécurité et de confort. 3,75 m. En dessous de la rue Cantersten, les locaux et dégagements destinés au public se développent depuis un grand hall de plein pied avec le boulevard de l'Impératrice vers un entresol 3,50 m plus bas. C'est alors toute une architecture souterraine qui, pendant la dernière guerre mondiale, pouvait se transformer en abri efficacement protégé. Précisons d'ailleurs qu'en ce moment-là, cette réalisation avait l'avantage d'utiliser à des fins pacifiques et nationales des quantités considérables de matières premières. La jonction Nord-Midi a été inaugurée par le roi Baudouin le 5 octobre 1952. Il ne s'agissait d'ailleurs alors que de la mise en activité des deux premières voies. Le succès de la halte centrale a dépassé les prévisions les plus optimistes. Aux heures de pointe, de réels flots de circulation en témoignent. Il y a un train toutes les minutes. Cette gare fait partie de la vie quotidienne d'innombrables populations du nord, du sud, de l'ouest et de l'est du pays, en contact avec la capitale. La jonction Nord-Midi est un carrefour national.